Yeah.
Son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu.
Et il essuiera l'âme de leurs yeux. Et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni peine, car l'ancien monde s'est allé. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Non cogiste a Deo factus est, inestimabile sacramento, irrepensibilis est. Deus curiat sat angelorum corus, exaudi precet servorum tuorum. Alleluia, alleluia, Parce qu'il a une cesse de Liège, en fait,
toutes les églises, on ne connaît pas la date de la dédicace. En fait, aujourd'hui, la dédicace de l'église. L'intention de cette messe, c'est pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Commence avec quelque chose qui personne probablement ici, personne n'a vu, et moi-même non plus. C'est la cérémonie dédicace de l'Église. C'est une cérémonie qui rassemble bien au baptême, qui est très riche dans la signification, très riche dans le signe, et qui est aussi très long. Donc déjà ça, c'est quelque chose qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui assistent. De plus, c'est une cérémonie qui est très rare. Ce qu'on fait, on fait seulement une fois, quand l'Église est bâtie, on fait seulement une fois. Même c'est plus rare, même que les ordinations, donc c'est l'une des cérémonies qui est la plus rare dans notre liturgie. Et en même temps, elle est très solennelle, elle est très riche dans les signes. Donc, on bénit l'Église, mais pas avec l'eau bénite normale, on dit, mais avec l'eau grégorienne, c'est-à-dire le mélange de l'eau, du vin, du sel et du sang. L'évêque met aussi du sombre sur le sol de l'église. Il fait des lettres de l'alphabet latin et grec avec sa crosse. On asperge les murs de l'église avec cette eau grégorienne que vous avez déjà dit. On fait plusieurs onctions sur l'autel, 12 onctions sur les murs. On met les petits cierges sur les murs, ça s'appelle les hachets, comme si c'était les hachets de l'évangile d'aujourd'hui. Mais l'église, ce ne sont pas seulement les pierres, ce ne sont pas seulement les murs. Et d'ailleurs, la liturgie d'aujourd'hui nous le dit très bien, il nous donne aussi plusieurs points, plusieurs idées pour notre méditation. Et une idée que je trouve importante et qui était déjà bien sûr répétée par plusieurs personnes, c'est dans les hymnes des Vêpres d'aujourd'hui. Vous me permettez que je commence, vous écoutez bien, et puis je vais commenter un petit peu. Quecensa dei ventibus axis ad astra toleris. Ça veut dire, toi qui es bâti de pierres vivants et qui est célébré, qui est exalté jusqu'aux étoiles, jusqu'au ciel. Évidemment, comme je vous ai dit, l'église, ce n'est pas seulement les murs, ce n'est pas seulement les pierres, mais c'est avant tout et surtout ce qui se trouve dedans. Et ce n'est pas forcément une idée qui est nouvelle, c'est une idée qui est toujours présente dans la théologie, qui était toujours crue par l'Église, qui d'ailleurs trouve son expression.
discrétion dans les conciles, dans les deux conciles du Vatican I, de Vatican, Vatican I et Vatican II. Vous savez qu'il y a plusieurs idées qui sont fausses sur l'Église. Je pense qu'il est bien de traiter brièvement ces idées. Il y a plusieurs gens qui disent, voilà, oui pour le Christ, non pour l'Église. Ou, dans l'autre forme, je suis croyant, mais non pratiquant. Non pratiquant, ça veut dire que je ne vais pas à la messe, je ne pratique pas, je prie à ma maison, ça suffit. En fait, non. Non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, c'est le Christ lui-même, qui encore dans l'ancien Israël, n'a pas supprimé directement les cultes. Les cultes dans le temple, et non seulement il n'a pas supprimé, mais lui-même il le pratiquait. Vous voyez dans l'évangile, chaque année, il venait à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et il y a plusieurs gens qui disent voilà, l'Église, c'est que les clergés. Ça, c'est aussi faux. Bon, il y a peut-être un écho ici, un écho de compréhension de l'ancien temple qui était un peu fausse ou un peu simplifiée, ça veut dire, voilà, l'Église, il y a l'Église hiérarchique, le clergé qui fait telle chose, qui décide, et puis le fidèle qui va obéir. Bien sûr, non seulement le fidèle, mais tout le monde va obéir, le clergé aussi. Et puis, voilà, c'est pas que les clergés qui font l'Église. Ça, c'est aussi bien de se souvenir, et c'est pas une idée nouvelle non plus. Il y a enfin des gens qui disent l'Église, c'est pour les gens qui sont saints, moi je suis pécheur, c'est pas pour moi. Et je pense que là, de toutes les trois idées, c'est celle qui est la plus pernicieuse. Et en fait, dans cette église, pas seulement dans celle-ci, dans l'église qui est instituée par le Christ, on dit parfois que c'est une église qui est sainte et qui est composée de gens qui sont pécheurs. Et bien sûr, c'est comme ça. Tout le monde est pécheur. Le prêtre et les laïcs, les hommes et les femmes, les enfants, les grands, tout le monde est pécheur. Et cette église, le Christ a institué pour conduire tous ces pécheurs vers soi-même. Et c'est ça qui était à l'origine de l'idée de l'église, qui était après prolongée par les apôtres et qui a perpétué jusqu'à aujourd'hui. Il y a parfois des gens qui disent, avec une certaine ironie, comment une petite cercle de pêcheurs, ici ce sont non seulement pêcheurs dans le sens qu'ils pêchent, mais aussi pêcheurs dans le sens qu'ils faisaient la pêche, les poissons, comment un petit cercle de pêcheurs pouvait arriver jusqu'à là? Certainement, c'est mystérieux. Vous entendez souvent, plus ou moins souvent, je pense, dans la radio, dans la télé, ou vous lisez dans l'internet, dans l'église, il y a des gens qui sont pécheurs, même des grands pécheurs, qui font parfois des gros scandales. Et malheureusement, on ne peut pas nier qu'il y a des faits comme ça. Effectivement, ça s'est passé, c'est triste, mais l'église, ce n'est pas seulement ça. L'église, ce n'est pas une congrégation de gens qui font des choses mauvaises. Bien sûr, ça, même si le monde veut que les gens voient l'Église comme ça. Et surtout, c'est une communauté qui marche ensemble vers le Christ, qui marche ensemble vers le salut et on espère que tous les membres de ces communautés, bien sûr, s'ils sont bien disposés, s'ils veulent vraiment y arriver, une fois sauvés, ils se trouveront avec le Christ dans le ciel. Et pour que tout cela marche bien, il faut qu'on prie pour cette Église. On prie pour la hiérarchie, pour les papes, pour les évêques, pour les prêtres, mais non seulement pour la hiérarchie, l'ecclésiaste. Comme je vous ai dit, l'Église, ce n'est pas que la hiérarchie, mais qu'on prie pour l'Église ensemble. Pas seulement pour que les bâtiments persistent, c'est surtout pour que cette institution divine, pour les gens qui sont dedans, restent dans la foi,
60, qu'il soit bien préparé pour voir Jésus. Et enfin, pour qu'il y ait aussi des temps opportuns et des possibilités, pour qu'il y ait plusieurs gens, tout le monde rentre dans cette église, pour que tout le monde connaisse la foi catholique, et pour que tout le monde soit sauvé.
Thank you.
nobis opere de nobis. Amen.
Agnus Dei, excepitorit peccata mundi. Thank you.
Spiritus Sanctus.
priez pour nous.